Bon, vous excuserez ma tête, c'est pas forcément la meilleure tête que j'ai à vous offrir depuis que j'ai la chaîne, mais c'est une tête, voilà. Bonjour à tous mes chers amis, je vous fais cette vidéo déjà pour vous donner des nouvelles parce que vous êtes nombreux à vous inquiéter, à tel point que j'ai reçu des appels, des SMS et plein de choses depuis ces derniers jours et vraiment j'ai reçu un flot d'amour et de soutien auquel je m'attendais absolument pas, vraiment. Donc rien que pour tout ça, déjà, je vais vous dire merci, merci du fond du cœur. Et puis pour aussi vous expliquer, puis pour m'excuser, alors je sais ce que vous allez dire, que j'ai pas à m'excuser de ma vidéo, des pleurs, tout ça, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude de faire ça, vous l'avez vu, ça fait quand même un moment maintenant que j'ai la chaîne, hein, puisque j'arrive sur les 2 ans de la chaîne, 3 ans avec Facebook, j'ai toujours, même quand ça n'allait pas, je me forçais à vous donner un sourire, parce que je sais que c'est important pour beaucoup d'avoir un petit sourire, d'avoir une petite blague, d'avoir quelque chose qui illumine vos journées, puisque c'est souvent ce commentaire-là qui revient, même si j'ai pas l'impression de vous faire du bien, puisque bah, je suis comme je suis tout simplement, et si je vous communique des choses positives, bah, tant mieux, j'en suis très content, mais enfin, c'est pas voulu, si c'est voulu en même temps, mais bon, bref, vous m'avez compris. Je ne sais plus parler, je suis désolé. Si vous m'avez plus vu depuis quelques jours sur la chaîne, c'est parce que j'avais besoin d'encaisser le choc, parce que ça a vraiment été un choc. En fait, Angèle, elle est venue vraiment faire déborder le vase. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo où je vous parlais un petit peu, et Angèle, ça a vraiment été, mais même pas la goutte, là, ça a été le robinet carrément qui a été ouvert et qui a fait déborder le vase, vraiment, surtout que je m'y attendais absolument pas. Quand j'ai amené Angèle, c'était pour des problèmes de peau, parce que je vous explique, regardez d'ailleurs, je tiens, montre-toi, parce que c'est toi quand même la star, hein, de la vidéo, c'est pas moi, hein. Donc je vous montre Angèle. Alors cette vilaine, elle réussit à enlever sa collerette. Je pense que je vais lui l'agrafer sur la peau. Je sais pas comment elle fait pour l'enlever. Pourtant, la collerette, je la serre bien. Enfin, alors, je la serre, je l'étrangle pas avec, mais je la serre suffisamment pour pas que ça bouge. Ben non, je sais pas comment elle fait. Elle réussit à l'enlever sa collerette. Bon, t'es une vilaine. Et je sais pas si vous allez voir en caméra, regardez, là il lui manque carrément des poils parce que bah, elle a une grosse plaque Alors c'est pour ceux qui demanderaient, c'est une allergie qu'elle a faite. Apparemment, rappelez-vous, il y a quelques mois de ça, je vous avais dit, enfin je vous avais montré une vidéo quand j'avais fait le vlog pour Yule. J'avais fait un comment s'appelle? Oui, allez, va sur le bureau. J'avais fait une recette avec des huiles essentielles conçues pour les animaux pour traiter de manière naturelle les puces. Parce que Olympe, comme elle est souvent dehors, du coup, elle avait ramené quelques puces. Donc, on avait traité du coup tous les animaux. Mais j'avais aussi pris d'autres traitements, c'est-à-dire que j'avais fait l'essai avec les huiles essentielles et après, quelques temps après, j'avais acheté, enfin quelques temps, pas beaucoup de temps après d'ailleurs, j'avais acheté des bons produits pour les traiter, donc ils ont été traités, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la vétérinaire m'a expliqué qu'Angèle était allergique à tout ce qui piquait, voilà, surtout les puces. Donc c'est pour ça qu'elle fait cette réaction allergique. Et là, vous la voyez pas trop vilaine, Bichette, parce que alors, vous l'auriez vu il y a quelques jours de ça, il n'y a pas si longtemps. Là, montre-toi un petit peu. Là, au niveau des yeux, bah, elle avait plus de poils, elle n'avait plus rien, elle était à vif, quoi, parce qu'elle se grattait comme une malade. Le pire, c'est qu'avec la collerette, elle trouve le moyen de se gratter. Par exemple, je vais vous montrer son cou. Je ne sais pas si elle va vouloir vous le montrer. Non, elle veut pas. Allez, fais un effort, lève-toi. Regardez son cou, voyez un petit peu, on voit qu'il manque plein de poils et qu'elle a des croûtes. Parce que cette vilaine, du coup, comme elle pouvait plus gratter le visage, eh ben elle trouvait le moyen de se gratter le cou à la place. Et elle s'ouvrait de partout, bref. Donc rien que ça, quand je l'ai vue comme ça, alors au début, c'était petit. C'était vraiment petit, c'était juste au niveau des yeux, ça faisait des petites plaques. Mais comme elle avait chopé ça déjà une année, je l'avais tout simplement désinfecté avec de la bétadine. À chaque fois qu'elle se grattait, je désinfectais, je lui avais mis la collerette et je pensais que ça partirait. Puis non, quelques jours après, ça s'est vraiment amplifié et c'est là que je suis allé chez le vétérinaire. Et Angèle, j'avais en fait un jour touché sa tétine et j'avais vu qu'elle avait une tétine qui était gonflée. Mais je ne me suis pas alerté plus que ça parce que je me suis dit, comme elle se démange, comme elle a des problèmes de peau, certainement, comme les tétines, c'est des zones assez sensibles, je me suis dit bah, que ça avait gonflé à cause enfin, de sa réaction allergique. Donc je ne m'étais pas inquiété plus que ça. Ça, ce que je vous dis, ça remonte il n'y a pas si longtemps parce que je l'ai vu, sa tétine, il n'y a même pas un mois. Hein, ça doit faire 2-3 semaines.
semaines que je l'avais vu. Mais voilà, je m'étais pas affolé plus que ça. Mais vu que j'avais rendez-vous du coup chez le vétérinaire, j'en ai profité pour lui parler de sa tétine et lui dire bah je trouve qu'elle a une tétine qui est un petit peu dure, mais peut-être que c'est dû à l'allergie. Et quand elle l'a examinée et que elle m'a dit le mot, surtout que ce qui s'est passé en fait lors de la consultation, c'est que je pense que la vétérinaire, elle devait penser que je savais ce qu'elle avait. Vous avez compris ou pas la phrase? Parce que la façon comme elle me l'a annoncé, elle n'a pas du tout été tendre ni diplomate parce qu'elle me l'a dit comme si elle avait acheté une baguette de pain, quoi. Et quand elle me l'a annoncé, elle a vu à mon visage qu'elle avait fait entre guillemets une boulette parce que elle voyait que j'étais pas au courant et que c'était pas du tout ce que j'imaginais en fait. Pour moi, c'était juste sa tétine qui avait gonflé à cause de la réaction allergique, mais pas ça. Bon, il y a du progrès, j'arrive à prononcer les mots Angel et tumeur dans la même phrase sans pleurer, parce que ça a été compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne m'avez pas vu de quelques jours, parce que j'avais besoin de me déconnecter vraiment. De toute façon, j'étais déconnecté. J'étais déconnecté au sens physique comme mental, j'étais pas du tout apte à faire quoi que ce soit. J'avais même pas envie, de toute façon, très clairement. Et parce que moi, Angel, alors. Merci aussi pour vos commentaires. Je suis désolé, là pour le coup la vidéo elle fait très brouillon, mais je vous livre les choses comme ça me vient. Donc excusez-moi si je passe du coq à l'âne. Je voulais aussi vous remercier énormément pour vos commentaires qui m'ont beaucoup beaucoup touché et j'ai pu voir que vous étiez nombreux à avoir vécu des expériences similaires avec vos animaux. Moi, mes animaux, ça représente toute ma vie, mais au sens propre comme figuré. C'est-à-dire que vous le savez, enfin pour les nouveaux qui sont sur la chaîne, non, vous ne le savez pas, mais j'avais fait quelques vidéos où je me confiais, où je vous ai un petit peu expliqué ma vie. Pour ceux qui me connaissent dans l'intimité, vous savez tout ce que j'ai pu traverser, et hormis ma maman et mes animaux, je n'ai jamais rien eu d'autre comme famille. Donc moi, mes animaux, c'est pas juste des animaux de compagnie, c'est ma famille, c'est mes frères, c'est mes fils, c'est, voyez. Et Angel, elle partage quand même ma vie depuis de nombreuses années. Elle a été présente. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer dans la vidéo, mais ça a été tellement compliqué de parler. Bah, je sais pas si vous l'avez vu, mais je marquais des pauses dans la vidéo pour aller sécher mes larmes. Et pour me calmer, parce que j'arrivais plus à parler. Vraiment, j'étais effondré. Et vous pouvez demander à mon entourage autour qui pourra vous le confirmer, j'étais vraiment effondré. Angel, surtout que c'est son deuxième quand même cancer. Le premier, je vous cache pas que la vision d'horreur que j'ai eue d'Angel était juste terrible, puisque la première fois, c'était en 2013. J'étais à l'époque, je faisais mes études d'assistanat commercial comptabilité et comme c'était sur Lyon, du coup j'étais en interne la semaine et je rentrais chez moi que le week-end. Donc Angel, je la voyais pas toute la semaine. Et quand je suis entré le vendredi soir, déjà j'ouvre la porte et là une odeur dans l'appartement, mais on aurait dit qu'il y avait un cadavre dans l'appart. Vraiment, ça sentait la mort, c'était vraiment épouvantable. De toute ma vie, je crois que c'est la pire odeur que j'ai pu sentir. Et là, je découvre ma pauvre Mimine qui baignait quasiment sans vie dans une flaque de mélange de pus, de sang, bref, tout ce que vous voulez. Quand je l'ai vue dans cet état, ah non, mais j'ai cru que mon cœur il s'écroulait là. Donc je l'ai emmenée tout de suite au vétérinaire. Pour le coup, là, je savais. Enfin, en la voyant comme ça laissait quand même pas trop de place au doute qu'elle avait quelque chose de très grave. Et quand le vétérinaire, il m'a dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer, la mauvaise nouvelle, c'est bien ce que vous croyez, la bonne nouvelle, c'est que c'est opérable. Voilà. Alors, le problème d'Angèle, ça me fait pas rire du tout en fait, mais excusez-moi, c'est nerveux. Angèle a été très rarement malade dans sa vie, mais à chaque fois qu'elle a été malade, deux fois principalement, ça m'a coûté une blinde à chaque fois. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, c'était son deuxième. Et là, si vous voulez, celui-ci, il est quand même plus discret, puisque c'est en fait, elle a deux boules qu'on sent très bien. Elle en a une qui est vraiment dans la tétine, et elle en a une autre qui est un petit peu à côté, à 3-4 cm à côté. Celle-là, je ne l'avais pas sentie, j'avais juste senti la tétine. Et donc voilà. Et la vétérinaire, en fait, quand elle me l'a annoncé, comme je vous l'ai dit, je pense que. Elle pensait que je me doutais de ce que c'était. Et quand elle me l'a dit, elle a bien vu en fait que non, je me doutais pas de ça. Et là, vraiment, ça m'a mis un coup de massue, quoi. Parce que je me suis dit, non, non, c'est son deuxième, c'est pas juste, surtout les animaux. Les animaux, ils nous donnent que de l'amour. Les animaux, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils sont toujours là, présents pour nous. Ils ne se plaignent jamais. Et j'ai trouvé ça tellement injuste, en fait, que Angèle, de nouveau, qu'elle vive encore ça. Non, vraiment, ça, c'est comme je vous ai dit, là, ça a été un lac qui a fait déborder le vase pour le coup.
Et voilà. Bon, maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse beaucoup, parce que là aussi, je sais même pas quoi vous dire. Je sais même pas comment vous remercier. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais vous avez été nombreux à participer à la cagnotte, à tel point que les frais d'opération aujourd'hui sont payés. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire à part juste merci. Un immense merci à vous tous pour avoir contribué à ça. Je suis vraiment désolé. J'ai l'impression que mon merci, il est un peu fade. Mais parce que bah, je sais pas quoi dire en fait. Je suis pas habitué à autant de générosité, à autant de soutien et autant d'amour. Surtout en plus, enfin, je sais pas comment dire. Mais. Bref, je pense que vous m'aurez compris. Et puis, si vous m'avez pas compris, bah, vous essaierez de décrypter. Mais vraiment, merci. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont penser que je surjoue, que c'est pas vrai, etc. J'ai envie de vous dire, croyez ce que vous voulez. Moi, j'ai les preuves. Je peux vous montrer les papiers, le devis de la clinique vétérinaire. Il y en a pour 465 euros et quelques centimes. La consultation m'a coûté plus de 164 euros, pareil, et quelques centimes. Autrement dit, 700 balles. 700 balles, quand vous n'avez pas de sous, je vous garantis que c'est compliqué. Mais honnêtement, je m'en foutais, en fait. Même si j'avais pas l'argent, eh ben, tant pis. J'aurais sacrifié des factures. J'aurais sacrifié des... Je vous dis, je suis vraiment prêt. De toute façon, je le ferai. Je vous ai dit dans la vidéo que je vendrai des jeux et ça je le ferai parce que j'en ai trop. Il y a des jeux que je n'utilise jamais, des jeux en plus qui sont neufs, hein, je les ai juste déballés du blister pour faire la review, je les ai jamais utilisés donc ils sont quasi neufs quoi. Donc de toute façon il y a des jeux dont je vais me séparer et que alors je sais pas, il y en a peut-être que je vous ferai gagner dans des concours parce que je me dis que vous le méritez bien et je sais pas, d'autres peut-être que je vendrai, j'en sais rien, j'en sais rien. Pour le moment je suis surtout sur Angel parce que du coup l'opération est programmée au 17 mars. Donc le 17 mars c'est un mercredi. D'ailleurs au départ j'ai cru que c'était 15 mars parce que ma maman elle s'est trompée dans les dates, elle m'a dit le 15 mars. Non, non, c'est bien le 17, c'est mercredi 17. 17 à 8h30. D'ailleurs on emmène aussi la petite merdouillette de ma maman, son petit bichon Datchka, qui lui aussi a un problème, donc il se fait lui aussi opérer. Angel et Datchka se font opérer tous les deux en même temps le même jour. Voilà. Parce qu'en fait, alors Datchka c'est un petit peu moins grave, mais il a un problème sur la queue en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois il est couché. Alors si, pour ceux qui ont des chiens ou qui ont même des bichons, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça leur est arrivé et que vous savez du coup ce qu'ils ont eu. Parce qu'en fait, Datchka, il y a des fois, il est tranquille, il est couché sur le canapé. Et puis d'un coup, il va se mettre à bondir, comme si on venait lui piquer les fesses avec une aiguille. Il va bondir et ça lui arrive souvent. Et il n'y a pas d'autre mot, il se mange littéralement la queue, à tel point qu'il a plus de poils dessus, on dirait une queue de rat, il a plus de poils dessus. Donc la vétérinaire, très clairement, elle a vu que c'était un truc en lien avec sa queue, donc l'opération, elle va lui faire un curetage. Mais voilà, si vous aussi, vous avez des animaux qui ont eu ça, mettez-moi en commentaire à quoi ça pourrait correspondre, parce que même la vétérinaire, elle a pas su vraiment ce que c'était, puisqu'il n'y a rien de physique, enfin, il n'y a rien qui est visible, il n'y a rien, à part que sa queue, elle ressemble plus à rien, et qu'il a cette réaction de bondir comme ça, voilà. Donc elle lui fait le curetage, en espérant que ça puisse régler le problème, mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je sais plus. Je sais plus, juste un immense merci à tous, parce que tout ce que vous m'avez fait, en fait, c'est étrange parce que tout ce que vous m'avez communiqué ces derniers jours-là, on est quel jour là? Samedi, c'était quand? Mardi, mercredi, bref, là, c'est 2, 3, 4 jours là. Tout ce que vous m'avez communiqué, je suis vraiment pas habitué à recevoir tout ça, vraiment. Et là aussi, vous êtes libre d'y croire ou non, sincèrement, je m'en fiche, moi je sais. Je sais que c'est la vérité, ceux qui me connaissent dans l'intimité savent aussi, pardon, que c'est la vérité. Donc à ce niveau-là, vous êtes libre de croire ou pas, mais vraiment, je m'en fiche. Mais tout ce que vous m'avez communiqué, tout ce que j'ai reçu, que ce soit les commentaires, les mails, les appels, je vous dis, j'ai été, mais submergé, vraiment submergé de mails, de coups de téléphone. Alors ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, mais ils ont pris mon téléphone où? Comment ils ont trouvé mes coordonnées pour m'appeler?
Mais bon, je me suis pas vexé, hein, rassurez-vous, je l'ai pas mal pris. Puis de toute façon, mon numéro de téléphone, il n'y a rien de. J'ai pas à le cacher, enfin, il n'y a rien de très personnel, donc j'ai envie de dire, voilà quoi. Mais ça, vraiment, ça m'a fait plaisir et je m'y attendais absolument pas. Surtout que, comme je vous l'ai dit, en plus, si vous vouliez donner, vous étiez libre de donner, mais comme je l'ai entre guillemets demandé, je parlais de 50 centimes par personne, ça suffisait quoi. Et vraiment, je m'attendais pas à ce que bah, l'opération soit intégralement payée. Vraiment, moi, je me suis dit, bah écoute, au mieux, si tu arrives à avoir quelques fonds, bah peut-être qu'au mieux, ça paiera la moitié de l'opération, mais j'étais déjà content, quoi. Enfin, je me disais, même si tu arrives à 50 balles ou 100 euros, bah, c'est toujours ça, j'étais déjà content. Mais quand là, j'ai fait le calcul et que j'ai vu bah, que ça correspondait à l'opération, je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait. Vraiment, c'est magique. Là, pour le coup, j'ai eu l'intervention de, je vais pas dire 6000 anges, parce que la vidéo, alors, là aussi, ça m'attriste, enfin ça m'attriste, c'est pas que ça m'attriste, mais j'ai vu que la vidéo avait fait un certain buzz dans le sens où j'arrive à 10 000 vues, c'est complètement fou parce qu'on n'est que 6 000 sur la chaîne, donc ça veut dire qu'il y a 4 000 personnes qui n'appartiennent pas entre guillemets à ma chaîne et ma communauté qui ont regardé la vidéo, qui ont probablement peut-être fait un don, des personnes que je ne connais pas, et ça m'a beaucoup touché parce que des personnes que je ne connais pas qui se sont montrées présentes pour moi, bah, vraiment, ça m'a, j'ai été ému. Et tout ça, tout ce que j'ai reçu, ça a tellement été une vague d'émotions. Alors déjà que j'avais mes propres émotions à gérer, parce que je vous dis, Angèle, je l'ai vraiment très mal vécu. Angèle, c'est ma fille. J'ai pas à réfléchir, est-ce que c'est juste un chat, est-ce que... Non, c'est ma fille. Comme je l'avais expliqué dans la vidéo, Angèle, elle était présente avec moi pendant de nombreuses années. Elle a été présente dans ma période la plus noire de ma vie, quand j'avais fait ma dépression, que je faisais 110 kilos, etc., que je prenais des cachets anti-dépression, etc., etc. Elle a été là, elle a été présente. Elle et ma mère, ça a été les deux seules qui ont été présentes dans la période noire de ma vie. Donc, et Angèle encore plus, puisque Angèle vivait avec moi. Ma maman, je la voyais 2, 3 jours dans la semaine, mais Angèle, elle était présente tout le temps. Donc pour le coup, c'est vraiment Angèle qui a porté ma souffrance, qui a porté mon mal-être, et qui m'a toujours juste apporté que de l'amour, qui s'est jamais plaint. En plus, c'est une mimine qui est, bah, je sais pas si vous allez le voir en caméra, mais elle est adorable, elle fait rien, elle fait pas de bêtises, elle fait que dormir. Je l'ai même dit à la vétérinaire, je lui ai demandé si elle pouvait lui faire une petite piqûre de vitamine C, histoire de la booster un peu, parce que dormir 23 heures par jour, et elle m'a dit, mais c'est normal, elle a un petit peu d'âge, donc je lui ai dit, non, 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 Angèle était vieille, même quand elle était chaton, elle a jamais rien fait, même quand elle était chaton. Voilà. Angèle, ça a été une vieille jeune, voilà. Et je sais plus où est-ce que j'en étais, excusez-moi. Oui, je vous disais, donc Angèle, elle a été présente avec moi tout le temps. Et déjà, la première fois, comme je l'ai dit, son cancer, ça m'avait. Puis c'était tellement impressionnant. Quand je suis rentré, cette odeur, et puis du sang, du pus de partout. Non, vraiment, c'était horrible. C'était horrible à voir. Et donc, forcément, quand elle m'a dit le mot tumeur, bah, dans ma tête, moi, j'ai vu quoi? J'ai revu la scène de la première fois. Alors certes, non, elle en est loin, mais voyez ce que je veux dire, ça a été instinctif, ça a été psychologique, j'ai vu tout de suite la scène de ce que j'avais vécu, de ce qu'elle avait vécu la première fois, et non, ça m'a submergé. C'est pour ça que quand elle m'a dit essayer de la faire opérer assez rapidement, là dans les 2 mois à venir, je lui ai dit non, non, mais il n'y a pas dans les 2 mois à venir, c'est là tout de suite, vous me programmez l'opération le plus rapidement possible. J'ai même pas réfléchi, t'as les sous, t'as pas les sous, non, je m'en suis tapé, vraiment, royalement. Je lui ai dit non, non, c'est tout de suite, vous l'opérez. Même si elle me disait là, on vous la garde, bah, oui, vous la gardez, on lui enlève cette merde, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, on lui enlève cette merde tout de suite, elle garde pas ça. Et je crois que le mot merde en fait est vraiment approprié pour cette maladie parce que vous vous rendez compte que finalement ça touche tout le monde, personne n'est épargné, c'est terrible quand même. Je pense que le cancer, c'est vraiment quand je vois tout. Excusez-moi pour ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Quand je vois tout le flanc qu'on fait sur ce Covid, qui est une bonne grippe, et quand je vois cette saleté de maladie, de cancer, les dégâts qu'elle fait,
Mais c'est 10 millions de fois pire. Et le Covid, lui, s'en prend, entre guillemets, aux humains. Le cancer, on en a la preuve, il touche tout le monde. Il n'épargne personne. Donc je pense que s'il y avait une maladie sur laquelle il fallait faire un flanc monumental, ça serait bien le cancer. Ça serait pas autre chose, pas une grosse grippe. Même si, alors attention, je dis pas que le Covid est pas dangereux, c'est pas ce que j'ai dit. Mais quand on voit la proportion que ça prend pour une grosse grippe ou une petite pneumonie, par rapport à des maladies comme le cancer, et Dieu sait qu'il y a des millions de personnes qui sont atteintes de cette saleté, et quand je vois en plus que certaines personnes sur l'année 2020 ont été jugées non urgentes par rapport à des cas de Covid, alors qu'elles avaient ça, mais enfin, on marche sur la tête, non, dans le monde, il y a un problème, il y a vraiment un problème, je pense. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la démagogie, malheureusement, hein, j'aurais beau crier tout ce que je veux, ça ne changera pas grand-chose, hélas. Sauf si peut-être j'avais des millions d'abonnés sur la chaîne, peut-être que ma parole serait prise au sérieux, et encore, je suis même pas sûr, je suis même pas sûr. Bon, donc tout ça pour vous dire que je vais revenir sur la chaîne, je reviendrai, quel jour on est là? On est samedi, je reviendrai demain avec les énergies du jour, enfin les énergies du début de semaine, vous savez, lundi, mardi, mercredi. Mais voilà, j'avais vraiment besoin, bah, de toute façon, je pense que vous l'avez vu, dans les commentaires, j'ai répondu à personne. Les mails, j'ai quasiment répondu à personne non plus. Il n'y a que une ou deux personnes que je ne citerai pas, parce que peut-être qu'elle veut rester anonyme, donc je ne les citerai pas. Mais il y a vraiment une ou deux personnes à qui j'ai répondu, parce que vraiment, elles ont insisté, puis il y avait un caractère urgent, donc quand j'ai vu que ça insistait, ben j'ai répondu. Je prendrai le temps de répondre à vos mails. Vous le savez déjà que mes mails, hein, c'est toute une histoire d'amour, ces mails. Donc je prendrai le temps de répondre à vos mails là sur la semaine. J'ai prévu également de vous faire. Alors, pareil pour les commentaires, excusez-moi, je reviendrai après sur ce que je voulais vous dire. Pareil pour les commentaires, vous avez été extrêmement nombreux à commenter. Je crois que j'ai plus de 400, plus de 400 commentaires. Attendez, je vais vous dire ça. Mais je crois qu'il y a plus de 400 commentaires. C'est un truc de fou. Il y a 440 commentaires. Donc autant vous dire que j'y répondrai. Je vais essayer en tout cas. Je pense que ça va prendre les 12 prochaines années. Mais si je vais essayer d'y répondre. Et voilà. Et donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le 17 mars, j'ai prévu de vous faire un petit vlog pour vous montrer la suite. Parce que vous avez été très très nombreux. Arrête de te gratter. Vous avez été très très nombreux à me demander à avoir des nouvelles. Donc du coup, le 17 mars, je vous ferai un vlog qui sera certainement sur la chaîne, soit le 17 au soir ou le 18 au matin ou le 17 dans la nuit. Enfin, voilà, ça sera entre le 17 et le 18. Parce que forcément, si je vous filme tout le 17, je ne peux pas tout vous mettre le jour même. Enfin, vous voyez, vous avez compris. Tant que je monte les petites séquences, tout ça. Donc je vous ferai un vlog spécial le 17 mars, où je montrerai tout, je vous montrerai Angel qui part à la clinique, je vous montrerai le retour et j'espère, parce que ça, vous voyez, autant tout à l'heure, je vous disais que j'arrivais à prononcer les mots tumeur et Angel dans la même phrase sans pleurer, autant il y a une image et un concept que je ne peux pas voir, qui est trop dur pour moi, c'est de m'imaginer en fait Angel sur la table d'opération, le ventre tout ouvert, parce que la vétérinaire, elle m'a expliqué ce qu'elle allait lui faire. Elle allait lui retirer toute la rangée de tétines, parce qu'en fait, elle m'a expliqué, il y a la solution entre guillemets économique, à savoir juste enlever la tétine malade, mais avec le risque du coup que ça puisse se contaminer dans les autres tétines. C'est un peu comme le cancer du sein, c'est un peu le même principe. Donc, soit la version économique, on enlève juste la tétine malade, soit la version radicale où on enlève toute la zone à risque. Voilà. Donc, je lui ai dit, non, non, on ne prend pas de risque, vous lui enlevez tout. Bichette, je préfère l'avoir avec une grosse balafre, l'avoir 2 mois avec un bandage sur tout le corps, mais savoir que ça sera fini après, plutôt que être dans l'angoisse totale de me dire, punaise, tu lui as enlevé qu'une tétine parce que tu as un gros radin ou parce que tu n'as pas d'argent. Donc, du coup, ta mimine, elle peut de nouveau contracter cette saloperie. Non, 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 je veux pas, je veux pas, donc j'ai préféré tout lui enlever. Donc le vlog, bah, je vous montrerai quand j'emmène Angel à la clinique, je vous montrerai quand elle reviendra, et j'espère, je vous jure, rien que de penser, ne serait-ce qu'une seconde, la vétérinaire qui me dirait, votre mimine, elle s'en est pas tirée, ah mais, ah non, 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 je crois que je prends une piqûre d'euthanasie et je me le fais moi-même, parce que, ah non, ça, pour moi, ça serait terrible comme nouvelle. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les animaux,
Bah, ce que je suis en train de dire, certainement que vous ne le comprendrez pas, parce que vous vous dites, oui, bah, des chats, il y en a dans plein les rues. Si ta mumine, elle meurt, c'est bon, t'en prends un autre dans les rues. Bah, non, ça marche pas comme ça, non, justement. Ma mumine, c'est, oui, c'est un chat, mais c'est avant tout un être vivant. Et c'est un être vivant qui a partagé ma vie, qui m'a sauvé la vie deux fois, ça, je vous l'ai dit dans la vidéo, et c'est vrai, c'est véridique. Si Angel n'avait pas été là ces deux fois, je ne serais pas là pour vous parler, très clairement. Surtout la fois où le gaz s'était diffusé dans mon appartement. Si Angel ne m'avait pas réveillé, eh ben, le gaz m'aurait endormi, donc je serais mort dans mon sommeil en plus, et en prime, je faisais péter tout l'immeuble. Donc, non, non, pour le coup, quand je vous dis qu'elle m'a vraiment sauvé la vie, c'est pas des bêtises, hein, c'est réel. Donc, je vais revenir sur le vlog. Donc, je disais que voilà, je vous ferai la vidéo où je vous montrerai à Angel l'opération, machin et tout. Enfin, l'opération, non, je vous montrerai pas l'opération, je peux pas rentrer dans le cabinet, comment s'appelle, dans la salle opératoire. Mais je vous montrerai tout ce que je peux vous montrer. Et puis, bah, bien sûr, je vous donnerai des nouvelles régulièrement pour suivre un petit peu l'affaire. Mais j'espère, vraiment, j'espère de tout cœur que tout se passera bien parce que. Alors, je sais que je finirai par la perdre. Je le sais bien, Angel, elle a un petit âge. Je sais bien qu'un jour, elle va partir. Mais ce que je voudrais, et je crois qu'on le veut tous, que ce soit pour nos proches, la famille, que ce soit pour nos proches animaux, on veut tous plus ou moins la même chose, à savoir qu'ils partent d'une belle mort, même si la mort n'est pas belle. Mais vous m'avez compris, on veut tous qu'ils partent d'une belle mort, c'est-à-dire sans souffrance, qu'ils ferment les yeux, ils s'endorment et puis ils ne se réveillent pas. Voilà, ça pour moi, c'est entre guillemets la plus jolie mort. Même si, comme je vous l'ai dit, la mort n'est pas belle en soi. Mais voilà, et Angel, avec tout l'amour qu'elle m'a donné, avec toute cette présence, tout ce qu'elle m'a apporté durant ces années, excusez-moi, je sens que ça remonte dans le nez. Avec tout ce qu'elle m'a apporté durant toutes ces années, je veux pas. Non, ça serait injuste. Franchement, vraiment, ça serait injuste qu'elle puisse mourir comme ça. Je voudrais qu'elle parte, voilà, qu'elle parte tranquillement, qu'elle parte en dormant, et puis voilà. Donc vraiment, j'espère que tout se passera bien parce que je vous jure, ça m'angoisse, mais. Alors j'allais dire, vous n'avez pas idée. Si, vous avez idée, parce que ceux qui ont traversé des épreuves similaires, vous le savez. Et je pense que vous savez le ressenti que j'ai à ce moment-là, c'est-à-dire la boule dans l'estomac, le cœur qui est complètement serré, la gorge qui est serrée là, et rien que quand on évoque le sujet, hein, on a les larmes comme ça, on sent que ça commence à monter si on insiste de trop à en parler. Donc si, pour ceux qui ont vécu ça, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui n'ont pas vécu ça, eh bien, tout ce que je vous conseillerais de faire, c'est de prendre un animal. Mais quand vous prenez un animal, dites-vous que c'est un engagement. C'est-à-dire que on n'offre pas un chiot ou un chaton pour Noël ou pour un anniversaire. On joue pas avec lui pendant 2 ou 3 mois parce que c'est mignon, c'est petit. Et puis quand ça commence à grandir, eh ben, ça fait des bêtises ou ça coûte cher parce qu'il faut l'emmener au vétérinaire, les vaccins, etc., etc. Et puis on finit hein, après. Tiens, le mois de juillet arrive. Moi, je pense à la plage. Je pense aux petits 15 jours que je me suis réservé dans le sud. Et malheureusement, mon chien ou mon chat, eh ben, il est devenu embêtant parce qu'il n'y a personne pour le garder, donc bah, du coup, je vais le balancer dans la rue. Non, non, vraiment, je vous jure, j'ai pas pour habitude d'être méchant, mais avec ce type de personne, je crois que je serais particulièrement cruel. En fait, je serais autant cruel que la personne qui a fait subir ça à son animal, vraiment. Parce que j'ai vécu des choses, vous voyez, il y a un deuil par exemple que je n'ai jamais fait, que j'ai jamais réussi à faire. J'en ai même voulu à ma maman à tel point que je m'étais brouillé avec elle, j'avais coupé les ponts avec ma maman pendant 1 an. Là, je suis en train de vous révéler quelque chose de vraiment très intime. Parce que je lui en voulais en fait d'avoir pris cette décision, mais j'étais plus jeune aussi à l'époque. Et en fait, à l'époque, quand on vivait dans notre maison en Haute-Loire, là où il s'est passé tant de choses, nos animaux, on avait 2 bergers allemands, ils avaient contracté bah, une maladie, enfin, on sait pas, même les vétérinaires, ils ne savaient pas ce que c'était, en fait, ils n'arrivaient pas à identifier ce que c'était. Moi, je pense savoir ce que c'était, je pense que c'était toutes les énergies des attaques spirituelles et paranormales qu'on a pu avoir dans la maison qui ont fini par affecter tout le monde, et entre autres aussi les animaux. Et à tel point que bah, ce qu'ils avaient déclaré, en fait, c'était pas soignable. Et du coup, ma maman a pris la décision eh bien, de faire euthanasier nos 2 bergers allemands. Et ça, cette décision, mais je lui en ai voulu, si vous saviez, et encore aujourd'hui, hein, bien des années après,
Ça fait 34, ça va faire 20 ans. 20 ans que, et bah, 20 ans après, j'ai toujours pas fait le deuil. Alors, j'en veux plus à ma maman, mais j'ai toujours pas fait le deuil par rapport à ça. C'est aussi pour ça que Angel, je l'aime encore plus d'amour parce que tout l'amour que j'avais pour mes chiens, et ben, je l'ai forcément reporté sur Angel, qui me l'a rendu, qui a fini que je l'aimais encore plus, parce qu'en plus, Angel, c'est tellement symbolique. Je saoulais ma maman, je lui disais que je voulais à tout prix avoir un chat noir. Voilà. Et à l'époque, elle travaillait pour un journal et elle faisait la, comment qu'on appelle ça, la distribution du journal. Et sur sa tournée un matin, donc comme elle livrait un petit peu en campagne, sur sa tournée un matin, eh ben, elle voit un petit groupe de chatons qui couraient dans les champs. Et comme elle connaissait le propriétaire de la ferme, elle lui avait demandé si... Excusez-moi. Elle lui avait demandé si elle pouvait en prendre un chaton. Et le propriétaire lui avait dit oui, si vous arrivez à en attraper un, vous repartez avec. Donc elle fait sa tournée et là elle essaye de récupérer un chaton, sauf que autant vous dire qu'elle n'y est pas arrivée. Et donc elle avait abandonné l'idée et quand elle revient à sa voiture, elle voit deux yeux verts, deux petits yeux verts. Non, te gratte pas, Angel. Deux petits yeux verts qui étaient coincés dans sa roue de voiture. Vous savez, entre la roue le. Comment s'appelle? Je sais pas comment. Excusez-moi, je suis nul en mécanique. Le châssis, là. Donc, elle voit deux yeux verts brillants. Donc, elle se penche et je vous laisse deviner qui c'était. C'était Angel qui s'était planqué dans la roue de voiture. Donc du coup elle l'a récupéré, elle l'a pris avec elle et elle me l'a apporté et en plus écoutez bien, elle l'a trouvé, elle me l'a amené, c'était le 21 septembre 2007. 2007. 21 septembre. 21 septembre pour les sorciers et sorcières, ça va vous parler puisque le 21 septembre, c'est le sabbat de Mabon. Donc en plus, vous voyez, c'est symbolique, elle me l'a apporté le jour d'un sabbat. Pas n'importe lequel en plus, un sabbat quand même qui est assez important puisque Mabon c'est la fin des récoltes pour démarrer un cycle vers quelque chose de plus sombre pour renouveler justement. Hein. Et quand elle m'a apporté Angel, dès qu'elle l'a posée par terre chez moi, mais on aurait dit qu'elle avait vécu ici toute sa vie. Elle marchait tranquillement, elle fouillait, elle fouinait, tout de suite. Mais alors vraiment, le courant entre nous deux, il s'est fait, mais immédiatement. Dès qu'elle me voyait plus, dès que je changeais de pièce, elle miaulait à la mort. Et puis dès qu'elle me retrouvait, elle se mettait à ronronner, et elle bougeait plus de moi. Et depuis, ça a été un pot de glu tout le temps. C'est-à-dire, je ne peux pas faire pipi sans qu'il y ait Angèle qui vienne me voir. Je ne peux pas. Et à chaque fois que j'ai fait des déplacements, j'ai toujours emmené Angel, que ce soit en vacances, n'importe quoi. La seule fois où j'ai pas pu emmener Angel, c'était ben, quand je faisais mes études à Lyon, puisque ben, les animaux étaient interdits à l'internat. C'est la seule fois. Mais pour autant, j'avais saoulé ma maman en lui disant, tu vas la voir tous les jours. Oui, mais je travaille, mon petit. Je m'en fiche. Tu vas la voir tous les jours. Donc pour vous dire à quel point Angel, elle passait en priorité sur plein de choses. Et je vous cache pas que si par exemple c'est horrible ce que je vais dire, je suis désolé. Mais si par exemple Cédric n'avait pas voulu ma chatte, ça aurait pas fait. Parce que c'est comme si bah, Cédric il a un petit, c'est comme si je voulais pas son petit. Je voulais Cédric mais je veux pas le petit. Bah non, forcément Cédric il aurait choisi son petit et moi il m'aurait dit bah casse-toi, hein. Si tu m'acceptes pas avec mon enfant, tu te barres. Bah moi c'est le même principe avec ma chatte. Tu veux pas ma chatte, bah tu m'auras pas. Voilà, c'est vite vu. Et voilà. Bon, je vous raconte tout ça, je suis désolé, ça me fait du bien. Et puis j'ai pas envie de vous laisser sur cette vidéo horrible pour vous dire, je l'ai même pas regardée. J'ai même pas voulu la regarder parce que rien que la miniature en plus, vraiment j'ai posté la vidéo et j'ai rien fait d'autre. Vous l'avez vu, j'ai pas fait de miniature, j'avais pas envie. J'avais pas envie parce que de toute façon, c'est pas une vidéo à la base pour faire du buzz et tout. D'ailleurs, bah, je voulais revenir là-dessus quand je disais que la vidéo elle a fait entre guillemets un buzz puisque j'arrive presque à 10 000 vues. Je me suis dit mince, c'est quand même, enfin, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup touché. Et en même temps, je me suis dit punaise, c'est quand même triste que dans ce monde, pour faire du buzz, il faut pleurer, il faut crier, il faut se mettre en colère, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est quand même triste dans ce monde que les vidéos qui soient le plus vues, enfin qui attirent le plus d'attention. Alors, attention, c'est pas un reproche ce que je dis, au contraire, hein, c'est très gentil parce que là, ça a été un buzz
positif, enfin buzz, j'aime pas employer ce mot, hein, j'aime vraiment pas, franchement. Surtout que là, c'est pas le sujet pour faire un buzz, on parle quand même d'une maladie, donc non, il n'y a pas à faire du buzz là-dessus, vraiment pas. Ou à la rigueur, pour sensibiliser, pour véhiculer un message positif en disant faites dépister vos animaux, parce que vous voyez, ça peut arriver, le cancer ne touche pas que les humains, ça peut arriver à vos animaux. Donc, bah tiens, voilà, ça peut être un joli message, ça, pour conclure la vidéo. De vous dire, de vous sensibiliser par rapport au cancer, que ce soit vous, enfin vous, vos proches, mais vos proches, vos animaux, aussi tous ceux qui font partie de votre famille, vos amis, toutes les personnes que vous aimez, peu importe, mais les personnes que vous aimez, pensez à vous faire dépister. Alors je sais, c'est pas drôle de faire des mammographies, bon, forcément je sais pas ce que c'est, mais ma maman m'en a souvent parlé, elle m'a souvent dit le mal de chien que ça pouvait faire, alors oui, je sais, ce sont des examens qui sont pénibles, qui sont douloureux, mais dites-vous que c'est quelque minutes de souffrance par rapport à une maladie qui pourrait vous faire souffrir toute votre vie et qui pourrait avoir raison de vous. Donc j'ai envie de dire 10 minutes de souffrance en mammographie, ça correspond à quoi par rapport à des mois, voire des années, parce qu'il y a des cancers, ils peuvent durer des années de souffrance. Parfois, ils peuvent revenir, même quand ils ont été traités, ils peuvent revenir une deuxième fois, hein. Donc, non, vraiment, pensez à vous faire dépister. Et vos animaux, comme je viens de vous le dire, ça peut arriver aussi sur eux. Donc, quand vous les caressez, eh ben, profitez-en pour les toucher, pour les palper, surtout si du coup, vous avez des mimines, mais des mimines, des femelles. Mais ça peut aussi être valable pour les mâles, parce que le petit de ma maman, il y a quoi? Il y a c'était avant le confinement, le Covid, donc c'était 2019, il me semble. Ouais, fin 2019 par là, c'était avant le confinement. Datchka a eu un cancer, enfin une tumeur, pareil au niveau de l'anus, entre l'anus et les testicules. Du coup, bah, il a fallu l'opérer, il a fallu bah, lui enlever ses testicules. On peut dire ce mot sur YouTube, oh, je sais pas. Bon, je sais pas, bah tant pis, trop tard. Mais voilà, il a fallu lui enlever ça. Donc ça peut aussi arriver au mâle. Donc vraiment, quand vous avez vos animaux, que vous les aimez, voilà, dès que vous les caressez, vous touchez un petit peu partout, vous regardez, n'ayez pas peur, hein, c'est vos animaux, c'est vos proches. Donc vous leur regardez les fesses, vous leur regardez toutes les zones qui craignent un petit peu, les tétines pour les filles, vous regardez. Et puis, bah, dès que vous sentez un truc un petit peu bizarre qui n'est pas normal, eh ben n'attendez pas, allez chez le vétérinaire, parce que la vétérinaire me l'a bien dit que ça peut être bénin, ça peut être malin, mais dans tous les cas, il faut le faire enlever parce que si par exemple c'est une tumeur kysteuse, je crois que c'est ce qu'elle m'a dit le terme, si c'est une tumeur kysteuse, ça grossit, c'est pas esthétique et surtout ça va gêner votre animal, même si c'est bénin, il faut quand même l'enlever parce que bah, vous imaginez par exemple un truc la taille d'une orange sous le ventre de votre mimine. Voilà, faut penser à son confort. On parle pas forcément de la santé puisque c'est bénin, mais faut penser à son confort et son bien-être. Vous auriez une orange comme ça dans le cou, je pense que vous resteriez pas avec, vous la feriez enlever. Et puis par sécurité, parce que même si c'est bénin, malheureusement, les tumeurs, les cancers, ça peut vite changer, hein. C'est peut-être bénin, mais il suffit de pas grand-chose pour que ça dégénère rapidement. Donc non, vraiment, là pour le coup, c'est le message que je vous véhicule, cette sensibilisation, et surtout pour vous, mes amis femmes, parce que c'est vrai que les hommes, on y est sujet, mais c'est pas de la même façon. Malheureusement, vous, mes amis femmes, bah, vous n'êtes pas gâtés avec ça. Donc vraiment, prenez soin de vous et faites le nécessaire. Voilà. N'attendez pas. Comme je l'ai dit, même si c'est douloureux, ne vous dites pas, ah non, c'est bon, ma mammographie, ça me fait trop mal à chaque fois. Non, non, ne vous dites pas ça, parce qu'il suffit que vous ne le fassiez pas cette fois-là pour que ça soit la fois où il aurait fallu le faire, justement, vous voyez. Et puis, au moment où vous direz, eh ben, si, allez, maintenant, je vais le faire, ça fait quand même 5 ans que j'en ai pas fait, eh ben, ça aura peut-être eu le temps de se développer et ça sera dans une forme très très grave. Donc voilà, n'attendez pas. Même s'il y a des examens, c'est comme le dentiste. Alors là, je suis assez mal placé pour parler, je sais, mais c'est comme le dentiste, hein. On repousse toujours. Bah oui, on n'aime pas voir les docteurs, on n'aime pas voir les hôpitaux, on n'aime pas tout ça parce que bah voilà. Mais il faut le faire. Il faut le faire même si ça fait peur. Il vaut mieux qu'on vous apprenne une mauvaise nouvelle qui peut être prise très tôt et du coup qui sera plus ou moins sans gravité, plutôt que d'attendre que les choses empirent et hein, voilà. Donc
Bon, après toute cette vidéo, j'espère que ça vous fait plaisir que je vous donne des nouvelles. C'était important pour moi de le faire, mais vraiment j'avais besoin de jours. Comme je l'ai dit, j'ai répondu à personne. Donc ne vous offusquez pas, il n'y a pas de raison de vous offusquer, mais j'ai répondu à personne. Donc, et là, je prendrai le temps de répondre au fur et à mesure. D'accord? Je vais reprendre aussi le rythme. Même si je ne vous cache pas que jusqu'au 17 mars, il y a des chances pour que le rythme soit un petit peu plus léger, dans le sens où tant que cette opération n'est pas passée, j'ai que ça qui tourne en tête du coup. Et tant que ça ne sera pas passé, tant qu'on m'aura pas redonné ma mimine saine et sauve, bon avec son bandage certainement Bichette, elle ressemblera plus à rien, mais c'est pas grave, je la veux saine et sauve. Donc au moment où on me la rendra saine et sauve, là j'aurai vraiment un soupir de soulagement avec toute cette pression qui va redescendre. Là, je pourrais me remettre bien au travail comme il faut, mais voilà, en attendant, soyez magnanime, soyez tolérant, dans le sens où si je vous fais une vidéo tous les 3-4 jours, jusqu'au 17 mars, de toute façon, le 17 mars, c'est bientôt, c'est dans 10 jours, hein, donc voilà, si je vous fais que 2-3 vidéos, pas plus, jusqu'à l'opération, voilà, mais après, on reprendra un rythme bien quand tout ira mieux, et vraiment, je veux croire que tout ira mieux, sincèrement. Donc sur ce, les amis, encore 1 million de merci, mais pas 1 million de merci au total, non, 1 million de merci pour chacun d'entre vous, pour ce que vous avez fait. Et peu importe les dons que vous avez faits, je m'en fiche royalement. C'est-à-dire que si vous vous en voulez en disant, le pauvre Jojo, je lui ai donné que 1 euro, mais je m'en fiche, je m'en fiche, je vous l'ai dit, c'est pas la somme, c'est pas le montant que je veux, je m'en fiche. Rien que le fait d'avoir donné, même si c'est, alors on va peut-être pas déconner, j'allais dire si c'est 1 centime, si, c'est le geste qui compte, mais je veux dire, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, si vous voulez donner, en plus je vous l'ai pas imposé, si vous voulez donner, vous le faites en fonction de vos moyens. Si vous êtes au RSA et que vous voulez donner, vous donnez 1 euro. En plus, je vous demande même pas si pour ceux par exemple qui sont à RSA, qui n'ont pas beaucoup de sous et qui voudraient donner 50 euros, mais non, je ne veux pas que vous donniez, enfin, il n'y a plus besoin de donner là, mais je veux dire, il n'y a pas besoin, ne donnez pas 50 euros. 50 euros quand on est à RSA, c'est énorme, c'est une grosse somme. Donc juste l'euro symbolique, parce que vous tenez à tout prix à donner, 1 euro symbolique, 50 centimes. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes riche de millions, bon, bah écoutez, je veux bien vous délester un petit peu de votre fortune, ça c'est sûr. Non, non, plus sérieusement. Mais voilà, c'est pour ça, donc ne culpabilisez pas des dons que vous avez faits. Si vous vous dites, oh, j'aurais pu donner plus. Non, il n'y a pas à donner plus. Vous avez donné. Et juste ça, je trouve ça formidable en fait. C'est juste merveilleux. Juste le principe de donner, d'avoir cette démarche-là. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ne peuvent pas, parce que je ne vous ai pas demandé d'argent en plus, c'est ça le pire. Je vous ai dit, si vous voulez donner, mais je vous ai pas imposé. Et pour ceux qui ne peuvent pas, juste une bougie, une prière, n'importe quoi. Vous pensez à Angèle très fort, parce que moi, bon, j'essaierai de tenir. Je pense que je vais me mettre sous Xanax tout le mercredi 17 mars. Voilà, le 17 mars, vous pensez très fort à Angèle, vous lui allumez une petite bougie, juste une petite pensée en disant, tiens, il est 8h30, il y a une mimine qui. Excusez-moi, je pensais pas que ça remonterait. Il y a une mimine qui est en train de se faire opérer. Je suis désolé, mais c'est juste en fait au moment où j'ai dit ça, j'ai eu l'image d'Angèle sur la table d'opération avec le ventre ouvert. Excusez-moi, faut vraiment pas que je pense à ça parce que. Donc juste comme je l'ai dit, voilà, une pensée, une prière, un petit truc, je m'en fiche. C'est juste le fait que vous l'ayez fait. Je crois que c'est ça aussi qui m'a beaucoup ému. C'est que je m'attendais pas à tout cet amour, vraiment. Et ça fait quelque temps, je vous en ai un peu parlé dans une vidéo, mais ça fait quelque temps, j'ai l'impression de pas trouver ma place. Je sais pas comment vous dire ça, c'est très étrange. Alors peut-être qu'il y a les confinements, il y a tout ce qu'on est en train de vivre depuis plus d'un an, qui joue aussi sur le moral, c'est probable. Mais j'ai cette sensation en fait je sais pas comment vous dire, de pas trouver ma place, de pas être utile. Alors, c'est horrible ce que je suis en train de dire parce que tous les jours, vous m'envoyez des commentaires pour me dire, mon Jojo, ton sourire, ça fait du bien et ceci et cela. Et ça me touche toujours autant. Mais pour autant, je sais pas, il y a des fois où je me cantonne dans mes œillères en me disant, de toute façon, t'es utile à rien, tu fais rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis toujours dans cette.
Et c'est horrible parce que je suis le premier à vous donner des conseils justement pour vous aider à vous sentir mieux, alors que moi-même je devrais aussi les appliquer, ces conseils, hein. Mais vous connaissez l'expression, c'est le chausseur plus mal chaussé. Et là, tout cet amour m'a été témoigné comme ça en quelques jours en plus, là je parle d'un tsunami d'amour. Je dis, ça a été des SMS, des mails, des coups de téléphone, vos commentaires, tout, ça s'arrêtait jamais, jamais. Je me suis dit, mais c'est fou. Et je sais pas comment vous dire, c'est là en fait que j'ai eu une espèce de claque. C'est comme si vous m'aviez mis une gifle. Alors, pas physique, enfin, si, un petit peu physique quand même. Mais c'est comme si vous m'aviez mis une gifle pour me faire comprendre que j'étais quelqu'un, que j'étais important, que ma cause avait de l'importance, que vous vous sentiez impliqué par la situation, alors que concrètement, on se connaît pas intimement, vous voyez ce que je veux dire? Et je le déplore vraiment, j'aimerais tous vous connaître intimement. Je pense que le jour, vous savez quoi, le jour où les restos, les bars, tout ça sont réouverts, on essaie de s'organiser un truc tous ensemble. Alors du coup, il faudra louer quand même un bar assez grand, hein, parce que 6000 personnes, ça va faire quand même. Je pense qu'on se louera un Zénith ou un truc comme ça. Et on se fait un café tous ensemble. Je pense que ça pourrait être un concept, pourquoi pas. Ah bah tiens, allez, on se dit que pour, je sais pas quand ça réouvrira, on se loue un Zénith tous ensemble. Je me mets sur la scène et je vous fais les énergies à venir sur scène. Je pense que ça fera pas du tout pareil parce que là c'est facile de jouer le mec un petit peu. Mais avoir 6000 personnes en face de soi, je suis même pas sûr que j'arriverai à dire bonjour. Parce que faut pas croire, mais je suis quand même quelqu'un de très timide. Et voilà. Bon, je vais m'arrêter avec tout mon blabla. 45 minutes, on s'en fout. On s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Je tenais, voilà, à vous donner des nouvelles. Je tenais à vous dire tout ça. Et surtout, un immense merci à tous. Vraiment, vraiment, merci, 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 merci du fond du cœur. Et si j'ai qu'un souhait à faire, c'est que vous soyez bénis tous abondamment. Peu importe si vous avez donné, si vous n'avez pas donné, peu importe que vous soyez tous bénis. Rien que pour tout ce que vous avez fait, parce que c'est pénible, c'est larmes. Mais ce que vous avez apporté, tout ce que vous avez fait, vous avez sauvé une mimine aujourd'hui, mais vous avez réussi à. Je vais pas y arriver. Vous avez réussi à me sauver aussi, parce que j'étais en train de me perdre, et votre intervention là sur ces derniers jours. Ça a été comme à la fois un gros coup de pied aux fesses, celui dont j'avais besoin, et en même temps le gros câlin aussi. Oh là là, il est chiant à pleurer. Donc je vous disais, tout ce que vous m'avez apporté, vraiment, ça a été plus que bénéfique, parce que vous avez sauvé pas une vie, mais vous avez sauvé deux vies. Vous avez sauvé la vie d'Angèle. Vous avez sauvé la vie d'Angèle et bah, vous m'avez sauvé aussi moi par tout ce que vous avez fait. C'est pour ça que si, il y a un truc que j'aimerais rajouter, ne sous-estimez jamais, et ça je vous l'avais déjà dit dans mes débuts, au tout début de la chaîne, je vous avais fait une fois une vidéo, je crois que c'était la vidéo de présentation où je vous en parlais, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la virtualité. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, notre relation est entre guillemets virtuelle. Pourquoi virtuel? Parce que vous me voyez à travers un écran, moi je vous vois à travers vos commentaires. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je vous ai invité à me rejoindre sur Instagram, parce que du coup, sur YouTube, je vois juste vos commentaires, mais je vois pas vos profils. Que sur Instagram, peut-être que vous avez mis des petites photos de vous, et que du coup, je peux mettre un visage sur un pseudo. Et ça me fait vraiment plaisir, parce que du coup, bah, je vois vos petites frimousses à tous. Donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. J'ai réussi à modifier mon compte Instagram, à le mettre en professionnel. Donc du coup, c'est bien œil dans le noir, tout en minuscules, tout attaché. Voilà, vous tapez, je crois c'est hashtag ou arrobase, œil dans le noir, tout attaché. Et de toute façon, vous reconnaîtrez le profil. Hein. Et je sais plus ce que je disais. Oui, donc ne sous-estimez jamais le pouvoir de la virtualité, parce que pour vous, on est peut-être par écran interposé, mais ce que vous avez fait tous là, tout ça, c'est réel. Et l'impact qu'il y a, il est réel. C'est-à-dire que grâce à vous, Angèle va être opérée.
Et voilà, les frais dont elle aura besoin pour l'opération. Parce que sachez que dans l'opération, en fait, le devis qu'elle m'a fait, donc le montant, il était de 465 et des brouettes. Dedans, donc, il y a l'opération, il y a des radios, il y a des antibiotiques et il y a des anti-inflammatoires. Donc, il y a les médicaments, il y a tout. Ce qui fait que là, vos dons ont permis de financer l'intégralité du devis. Et ça, c'est réel, c'est pas virtuel tout ça, vous voyez, c'est réel. Et tout ce que vous avez fait par rapport à Angèle, forcément, ça m'a affecté moi, ça m'a touché moi, parce que du coup, bah, vous êtes mobilisé pour sauver ma fille. Et forcément, quelqu'un qui se mobiliserait pour sauver votre enfant, vous êtes touché aussi. Et ça, c'est énorme, vraiment, c'est énorme. Et vous n'imaginez pas tout ce que ça a pu m'apporter en positif. Je me sens reboosté. Reboosté, en plus, du coup, j'ai des projets. Je vous en parle pas encore, c'est un petit peu secret. Je vous en avais parlé un petit peu dans une dernière vidéo. Vous savez, je vous en ai parlé un petit peu, je vous ai préparé quelque chose, il y a des projets qui vont se faire, mais j'avoue que ces projets, ça m'avait fait du bien déjà que ça arrive parce que j'en avais besoin. Mais là, j'avais vraiment besoin d'une grosse claque, d'un truc. Bon, allez, maintenant, Jojo, tu te reprends, chut, allez, tu vas bosser là, dépêche-toi, t'es aimé, allez hop. Et j'avais besoin de ça en fait, et c'est ce que vous avez fait. C'est vous m'avez montré que j'étais aimé, que j'étais quelqu'un, que j'étais pas rien justement, que on comptait sur moi, que je pouvais compter aussi sur vous. Ça a été énorme. Et du coup, ça m'a reboosté à mort en fait. Je sais pas comment vous dire. Du coup, j'ai plein d'idées pour la chaîne. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire. Préparez-vous à plein de contenu parce que déjà en plus on va reprendre le projet Orlésia, donc on va enfin pouvoir tourner cette série dont je vous parle depuis des mois et à cause de ce Covid qu'on a dû abandonner, enfin mettre en stand-by. Donc il y a plein de choses, il y a plein de contenu du coup que j'ai envie de vous offrir. Je sais pas comment vous dire. Déjà que la chaîne, elle était dédiée pour vous. Tout ce que j'ai fait, dès que j'avais des sous, quand j'achetais un jeu, etc. C'était pour la chaîne, c'était pour vous. C'était même pas pour me faire plaisir moi. Là, j'ai vraiment envie encore plus de m'investir dans la chaîne parce que je réalise que j'ai une communauté qui est juste incroyable, qui est exceptionnelle. Je pense qu'on peut le dire. Faut arrêter avec l'humilité, avec la prétention. Non, non. Quand quelqu'un est exceptionnel, il faut le dire. Et là, pour le coup, tout ce que vous avez fait, tous, vous tous, il n'y a pas une seule personne qui est à part. Non, tous, 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 vous êtes exceptionnels. Et ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Pour tout ça, le plus beau remerciement que je puisse vous faire, c'est d'être encore plus présent. Enfin, encore plus présent. Je me comprends, vous m'avez compris aussi. Mais vraiment, c'est de faire vivre vraiment cette chaîne, de la faire porter un maximum, qu'elle puisse durer des années, que je puisse vous faire découvrir encore plein de choses, que vous puissiez aussi me faire découvrir plein de choses, hein, parce que c'est réciproque et mutuel, qu'on puisse se rencontrer, ça serait bien aussi, hein, on va peut-être attendre que toutes ces histoires de Covid cessent là, et puis peut-être se programmer des week-ends rencontres, etc. Et puis voilà, et puis vivre tout ça ensemble, en réel, partager tout ça. Je pense que ça peut être magique, ça peut être intéressant. Et je vais juste finir sur un dernier truc parce que ça, j'y tiens par rapport à Abby. Elle se reconnaîtra, je lui fais un bisou. Si, lorsque vous me rencontrerez, s'il vous plaît, je vous en supplie, ça, c'est vraiment mon vœu le plus important. Ne me considérez pas comme une star, je vous en supplie. Je suis quelqu'un de normal, je suis comme vous. C'est pas parce que vous me voyez sur YouTube derrière un écran que ça veut dire que je suis une star. Faut arrêter, hein. Alors oui, il y a des YouTubeurs qui peuvent être impressionnants parce qu'ils ont des grosses chaînes, ils ont un très gros nombre d'abonnés. Donc quand on rencontre, oui, effectivement, c'est un peu un moment enfin, un peu exceptionnel, j'ai envie de dire. Mais ça reste des humains avant tout. Je veux dire, si vous croisez par exemple Angelina Jolie dans la rue, c'est une femme comme tout le monde, qui a des problèmes comme tout le monde, qui fait pipi et caca comme tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le jour où vous me rencontrerez, je veux que vous me traitiez de la même façon que là, que vous le faites à l'heure actuelle, c'est-à-dire en toute simplicité, dans le partage, voilà, dans l'amour, dans l'amitié, et c'est tout. Pas de oh, Jojo, c'est le YouTube. Non, 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 pas du tout. Parce que vous l'avez vu là, sur la dernière vidéo, le Jojo top niveau, il est humain comme tout le monde, d'accord? Avec des sentiments, avec tout pareil comme tout le monde, qui pleure, qui est fragile, qui a un cœur, qui vous l'a montré pour le coup, hein, pour le coup, là, je vous l'ai montré. Hein. Donc,
Voilà, je veux pas entre nous, je veux pas qu'il y ait de frontières, je veux pas qu'il y ait de limites, je veux pas qu'il y ait de barrières, je veux pas qu'il y ait de barrières sociales débiles, je veux pas tout ça. Donc quand un jour on se rencontrera, voilà, c'est un pote que vous revoyez depuis un moment que vous n'avez pas vu, et c'est tout. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser les amis, je vous embrasse tous très très fort, vraiment, c'est pas très Covid, mais je m'en fiche. Je vous fais aussi un gros câlin à tous, pareil, c'est pas très Covid et on s'en fiche en même temps. Et vraiment, je vous remercie encore infiniment et du fond du cœur, surtout Angel, c'est Angel qui vous remercie, hein, parce que voilà. D'ailleurs, tu pourrais aller regarder quand même, hein, je sais pas, non. Vous voyez l'ingratitude. Elle est ingrate. Non, elle n'est pas ingrate. Allez, fais-leur un petit coucou là avant de partir, avant que je te remette ta collerette. Parce que... Et on vous fait donc tous des gros bisous. Vous suivrez l'aventure, vous inquiétez pas, je vous donnerai des nouvelles. Comme je l'ai dit, je vous fais le vlog le 17 mars pour vous donner des nouvelles. Et puis on se retrouve demain pour les énergies du coup du début de semaine. Et puis voilà, j'ai hâte quand même de vous retrouver et de me remettre quand même un petit peu à travailler et que tout ça soit un souvenir. Un souvenir que on enterrera, hein, voilà, parce que c'est le genre de choses dont on n'a pas envie de se souvenir. Allez, prenez bien soin de vous, mes amis. Je vous souhaite de passer un très très beau week-end. Profitez, en plus, je sais pas chez vous, s'il fait beau, profitez pour sortir, pour voir vos proches, pour faire ce que vous avez envie de faire. Prenez bien soin de vous et on se retrouve du coup demain soir pour nos petites énergies. Allez, je vous embrasse fort tous. Merci.